Et cet après-midi, eh bien, c'est l'Inter qui reçoit le Milan AC. Un match traditionnel, mais vraiment, vraiment attendu. Nous sommes le 1er décembre 1900. Avec cette écharpe qui flotte, juste devant l'écran. Attention à ce ballon devant pour Marco Van Basten qui va entrer dans la surface. Van Basten qui est passé, qui va peut-être centrer ou tirer, qui peut centrer. Ah, il a été déséquilibré. De la part de Walter Zenga. Pour épuiser ses défenseurs, il y a du boulot. Le voici justement, Jürgen Klinsmann, côté droit. Klinsmann face à 3 Milanais, c'est pas facile. Et il n'obtiendra pas le corner. Massaro qui demande le ballon dans la surface de réparation, c'est bien fait. Massaro qui peut centrer pour Van Basten. Et c'est l'ouverture du scoreur. Sur superbe action d'école. Quelle remontée du ballon. Avec ce superbe coup d'œil de la part de Massaro. Quelle passe décisive. J'ai l'impression que le but est refusé. J'ai l'impression décision. Alors qui était hors jeu? Massaro au début de cette action ou Van Basten? Ça a échappé au réalisateur. Attention à Klinsmann. C'est récupéré. Massaro qui s'est bien battu. Man qui va récupérer ce ballon peut-être face à Costa Curta. Impeccable. Ouais, il a pris un coup absolument. Costa Curta. Ça passe largement au-dessus des buts. Mais attention tout de même parce que Rossi a glissé. Oh, Rossi qui manque un peu ce ballon. Et puis un petit moment de déconcentration chez Rossi. Et vous avez vu que. Massaro. Van Basten. Ouais, c'est parfait. Avec Albertini. Ouais, Klinsmann qui s'est battu, qui a récupéré ce ballon pour Matos, le ballon est sorti. Petit hochement de la tête de la part de Jürgen Klinsmann, ça ne dure pas bien. Van Basten. Ah non, toutes les ententes avec. On se rappelle que l'an passé, eh bien, chaque équipe s'était passée par Ferry. Baggio qui manque complètement sa relance. Richker le premier pour Van Basten. Il y a danger là en ce moment, les atterrissent avec Gullit. Klinsmann qui rôde toujours aux alentours de la surface. Bremeu pour redonner à Klinsmann. Attention à Jürgen Klinsmann qui peut frapper. Ça va passer juste à côté. Attention à Klinsmann qui récupère ce ballon. Klinsmann qui rentre dans la surface. Et l'arbitre qui siffle une faute. Ouais, alors que, évidemment, du côté de l'Inter, on réclamait l'avantage qui aurait permis à Klinsmann de rentrer dans la surface de réparation. Grosse colère de la part des Interistes. Et qui a valu donc au gardien de la Squadra Azzurra de prendre un carton jaune. Le centre, finalement, ballon repoussé, le danger et l'égalisation. L'égalisation de Jürgen Klinsmann. On vous avait dit que c'était un duel de buteurs. Et sur ce moment de flottement, eh bien Jürgen Klinsmann lui-même marque le but de l'égalisation. C'est son premier but seulement cette saison, Jürgen Klinsmann. Klinsmann, oh, s'il était passé. Le capitaine qui doit être blessé. Et on a donné le brassard à Bergomi. Ballon qui circule bien, bonne remise de Van Basten qui est passé, qui a un peu trop poussé son ballon Van Basten et qui a poursuivi son action alors que Zenga réclame un avertissement. Van Basten s'est jeté mais ça n'avait pas l'air trop méchant. Très beaucoup en début de championnat. Et quand on soit leader, on va pas faire la fine bouche avec Klinsmann qui est passé côté droit. Il avait la tête Klinsmann en deux temps peut-être qui peut centrer et ce sera. Il est encore un peu trop tôt pour tenir du côté du Milan AC. Ouais, faute sur Van Basten de la part de Ferry. Le mage, Mago. C'est lui qui a apporté notamment le caténature. Attention à Klinsmann qui peut servir son partenaire. Compliqué. Il va falloir. Attention à ce contrôle manqué là. Ballon repris par Richard qui peut donner à Van Basten. Van Basten qui va filer au but. Il est bien seul, Marco Van Basten. Ouais, il est passé. Grosse faute de Matthäus par derrière. Ouais, il va prendre. Ouais, minimum. Il a eu peur, Matthäus. Il a eu très très peur. Seul au but, mais il était quand même bien parti. Des joueurs du Milan. Peut-être s'est frappé directement. Le ballon direct au card. Ouais, ou alors il est mal retombé, Klinsmann. Van Basten. Le ballon est-il sorti? Non, Van Basten, seul au monde. Alors il y va. Grosse faute. Eh oui, de Bergomi. Qui avait déjà l'avertissement. Oh, il a de la chance.